Salutations à toutes et à tous, c'est Mister Zombie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée au jeu Mission Pas Possible. C'est un jeu de Kane Klenko pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties qui durent au maximum 10 minutes, puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif dans lequel on va tenter de désamorcer le nombre de bombes fixées en début de partie en fonction du niveau de difficulté qu'on aura choisi. Donc 10 minutes maxi les parties, puisqu'on va avoir un compte à rebours et qu'il faudra donc parvenir à désamorcer les bombes d'ici là. Donc là, je vais jouer une partie en mode solo, puisque c'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Donc ça va être une partie d'entraînement, donc le mode le plus simple, en sachant qu'à l'heure actuelle, j'ai encore jamais réussi à finir donc une partie, donc avant le temps imparti, les 10 minutes. Donc je vais vous montrer quand même un petit coup vite fait les différents éléments de matos qu'il y a. Donc on va avoir un total de 25 dés, 5 dés de chacune des couleurs, donc dés noirs, 5 dés noirs, 5 dés verts, 5 dés bleus, 5 dés jaunes et 5 dés rouges. Ils sont tous numérotés de 1 à 6. Les 25 dés sont placés dans ce sac, donc voilà. On va avoir donc un certain nombre de cartes bombes. Donc ça, c'est ce qui va déterminer la difficulté au total. Donc il y a 50 cartes bombes, elles ressemblent à ça. Hop, le dos des cartes est comme ça. Donc j'ai mis certaines des cartes pour voir les différents éléments qui existent dedans. On va également avoir 11 cartes sabotage, donc qui ont dessus donc soit une valeur de 1 à 6 ou alors une couleur. L'idée, c'est que dès qu'une de ces cartes va être retournée, si sur une de nos bombes en cours de désamorçage, on a un dé qui a soit la valeur indiquée ou la couleur indiquée, on va devoir le défausser et le remettre dans le sac. Donc les sabotages, ça nous embête pendant le désamorçage, puisqu'il va falloir recommencer ce qu'on a déjà fait avant. Donc voilà, hop. Donc sur ces 11 cartes qu'il y a, on va en utiliser 6 pour la partie. Hop, les autres sont remises dans la boîte. Alors après, comme je suis en mode entraînement et que je suis tout seul, il y aura 16 cartes bombes utilisées. Donc voilà, il y a un petit tableau dans les règles où c'est tout expliqué. Donc quand on joue tout seul en mode entraînement, 16 cartes bombes, 19 cartes en mode standard, 21 en expert, 23 en élite et 25 en dément. Mais bon, on n'en est pas là puisque, comme je l'ai dit, l'entraînement, c'est déjà très compliqué pour moi. Alors, au niveau des cartes bombes, à quoi ça ressemble? Donc, on va avoir des cartes comme ça qui sont des cartes pyramides. Donc, généralement, quand il y a une flèche, ça veut dire qu'on va devoir empiler les dés les uns sur les autres. Et à droite, en fait, c'est le nombre de dés qu'il va falloir empiler. Donc là, on va en avoir 4 et à chaque fois, on commence donc par celui du bas qui est à gauche. Il faut qu'il ait une plus grande valeur que celui qu'on va mettre en deuxième et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut que les 4 dés aient une valeur décroissante. Donc, placer un dé de valeur 1 tout en bas, c'est l'assurance de ne pas pouvoir désamorcer cette bombe, puisqu'il faut qu'à chaque fois la valeur du dé soit décroissante. Donc voilà pour le principe de ça. Donc, et on les empile, sachant que si jamais, pour une raison ou une autre, on fait tomber des dés de la pile, tous les dés qui se trouvaient sur la carte sont remis dans le sac. Et donc il faut reprendre à zéro le désamorçage. En haut à droite, vous avez donc le nombre de points que ça rapporte en fin de partie si jamais vous réussissez à désamorcer le nombre de bombes avant le temps imparti. Donc là, je gagnerai 4 points grâce à cette carte-là. Ça sert aussi à donner un ordre d'idée au niveau de la difficulté. Donc 4, c'est quand même relativement chaud. Le niveau le plus dur, voilà, c'est une bombe de 6, donc qui rapporte 6 points. Là, l'idée, c'est qu'on a deux piles à faire à la fois. Donc sur cette pile-là, il faut que le premier dé soit de valeur 1 ou 2. Le fait qu'il y ait un fond blanc veut dire qu'on met la couleur qu'on veut, donc soit un 1, soit un 2. Donc c'est à ça que sert le petit slash au milieu. Le deuxième dé, il faudra qu'il fasse 3 ou 4, et le troisième dé qu'il fasse 5 ou 6. Pour la pile du bas, il faut que le premier dé soit rouge, soit jaune, peu importe la valeur. Le deuxième dé soit noir ou bleu, et le troisième et dernier dé soit rouge ou vert. Une fois qu'on a ces deux piles toute complète, et ben donc la carte sera désamorcée, on la mettra face cachée, on prendra une nouvelle carte à la place, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est niveau 6, donc ça c'est les bombes les plus dures à désamorcer. Donc d'autres exemples, là ce que ça veut dire, le égal, ça veut dire que le dé, on place le dé qu'on veut hein, en premier sur cela, puisque c'est pas un empilement, donc il va falloir venir placer des dés là. Et ce qui va compter, c'est la couleur. Donc en gros, l'idée c'est que si je mets un dé de couleur jaune ici, le dé suivant devrait être de couleur jaune, puisqu'il y a un symbole égal, donc il faut que ça soit égal entre eux. Là, pareil, donc en gros, cette carte-là, il faudra que tout soit de la même couleur, que je place 4 dés de la même couleur pour la désamorcer. La pyramide, donc empilement, premier dé jaune ou noir, deuxième dé rouge ou bleu, troisième dé jaune ou noir et quatrième dé bleu ou vert. Une fois que j'ai fait ça, pouf, c'est désamorcé. Alors ici, on place les dés comme on veut. L'idée, c'est que là, on doit mettre une valeur 1
peu importe la couleur. Là, on doit mettre un dé rouge, peu importe sa valeur, un dé vert, peu importe sa valeur, et un dé jaune, peu importe sa valeur, pour gagner 2 points au niveau du désamorçage. Ici, alors, le dé à gauche, alors on peut placer d'abord le dé de droite ou d'abord le dé de gauche, c'est comme on veut. Le dé à gauche doit être rouge ou noir, peu importe sa valeur. Par contre, le dé de droite doit être soit bleu, soit d'une valeur de 2, et peu importe sa couleur. Et il faut que donc les deux dés ensemble fassent la somme de 7. Donc c'est pas toujours évident à faire, puisqu'il y a pas mal de contraintes. Ça aussi, on est sur de la pyramide. Donc là, ça nous montre comment on doit empiler la pyramide. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre un 6 à gauche, un 5 à droite, et par-dessus ces deux dés au milieu, il faudra mettre un 4, peu importe la couleur. Voilà, là, c'est au niveau des valeurs. Donc voilà pour le principe quand on a hop 2 dés, et ça représente la pyramide. Donc il peut y avoir des pyramides un peu plus compliquées que ça, mais voilà un exemple de pyramide. Ici, bah, il faut que soit la valeur du dé de gauche et du dé de droite soit égale, soit la couleur soit la même. Donc je peux mettre par exemple 2 dés rouges, peu importe leur valeur, ou 2 dés de valeur 4, peu importe leur couleur. Après, ça peut être évidemment les mêmes, mais voilà, comme il y a le petit symbole de séparation au milieu, c'est l'un ou l'autre. Il faut soit que les valeurs soient identiques, soit la couleur soit identique. S'il y avait marqué AND au lieu de la petite diagonale, là il faudrait et que la couleur soit identique et que la valeur soit identique. Donc en gros, il faudrait mettre 2 fois les mêmes dés. Et là ici, hop, à nouveau, une petite empilade de dés. Donc un dé bleu en premier, un dé vert ensuite, un dé de valeur 4, peu importe la couleur, et à la fin, un rouge ou un jaune. Donc voilà pour les différents types de cartes bombes qu'on va pouvoir trouver. Donc au niveau de la mise en place, pour un joueur, on aura 4 cartes bombes devant nous, donc ça veut dire qu'on va pouvoir désamorcer jusqu'à 4 bombes en même temps, enfin placer des dés sur 4 bombes, et comme on joue tout seul, on va pouvoir placer plusieurs dés sur une même carte bombe. Alors que l'idée, c'est qu'à partir du moment où on est 3, 4 ou 5 joueurs à chaque fois, on lance le même nombre de dés que le nombre de joueurs. Et chaque joueur va venir prendre un dé qu'il peut placer sur une de ses cartes bombes. Donc là, l'avantage en jouant tout seul, c'est qu'on peut par exemple, si les dés se goupillent bien, désamorcer une bombe d'un seul coup en plaçant tous les dés dessus. Après, donc on a 4 cartes en même temps. À chaque fois, il y a 5 autres cartes disponibles pour quand on a désamorcé une bombe, changer. Donc là, je vais devoir en désamorcer au total 16. Donc l'idée, c'est que je vais prendre 16 cartes bombes au hasard. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça sera la pioche. Moi, je vais avoir aussi mes 4 cartes bombes que j'ai devant moi. Toc. Donc celles que je vais pouvoir résoudre. Donc on en a une de niveau 1. Alors l'idée, c'est que la valeur du dé de gauche doit être supérieure à celle du milieu et que la valeur du milieu doit être inférieure à celle du dé de droite. Donc voilà, ces deux-là doivent être supérieurs à celui du milieu. Peu importe la couleur. Donc l'idée sur les 4 cartes, c'est d'avoir au moins 3 valeurs de bombes différentes. Là, je mets un 4, peu importe la couleur. Ensuite, ben, soit un 3 ou un 2. Et puis là, ben, un 2 ou un 1, selon le numéro que j'ai. À chaque fois, il faut que ça soit dans l'ordre décroissant. 4 étant la plus grande valeur. Ici, hop, un de niveau 3. Donc il faut vert ou jaune ici et rouge ou bleu là. Et que la somme des deux fasse 7. Et plus, hop, la double empilade, qui est une des bombes les plus difficiles. Donc là, hop, je mets les 5 cartes à dispo qui me permettront de changer. Alors l'idée quand on change de bombe, c'est d'essayer de prendre des bombes de valeurs un peu différentes, donc pour pas se retrouver avec que des bombes à 6 qui sont plus dures à désamorcer, par exemple, ces choses-là. Et donc au niveau de la mise en place, pour finir, les cartes sabotage, donc je rappelle, ce sont celles-là, qui dès qu'elles vont être visibles, vont faire que là, si j'ai un 6 présent sur une de mes bombes, je vais devoir l'enlever. Hop. Donc, parmi ces 11 cartes sabotage, on en prend 6 pour la partie. 3, 4, 5, 6. Et on les ajoute aux cartes qui restent, les cartes bombes qui restent, une fois donc qu'on a mis en place la rangée de 5, qui sont les 5 cartes disponibles au début. Donc, hop, je les insère. Et on va refaire un mélange pour éviter qu'on sache déjà plus ou moins où se trouvent les sabotages. Et là, du coup, on va être quasiment prêt à jouer. Donc voilà, juste avant de débuter la partie, hop, je vais vous montrer vite fait que le jeu peut se jouer avec une appli, donc l'appli qui va servir de compte à rebours. Donc l'idée, c'est qu'on télécharge l'appli Renegade que je vous ai déjà présenté par rapport à Clank, puisque c'est la même maison d'édition. Donc voilà, c'est leur appli. Donc c'est toujours en anglais. Donc on va cliquer sur Fuse, puisque c'est le nom en VO du jeu. Hop. Et d'ailleurs, c'est ce qui a marqué aussi au dos des cartes, hein.
Les cartes, voilà, il y a marqué Fuse, il n'y a pas marqué Mission Pas Possible. Donc voilà, c'est ce jeu-là, Mission Pas Possible. C'est Fuse, c'est pareil. Donc, alors au niveau de l'appli, c'est très basique, hein, c'est un compte à rebours. On va juste pouvoir choisir la voix, donc sachant que la voix est en anglais, que de temps en temps elle va nous dire le temps qui reste et des petits trucs du genre bouge-toi un peu le cul, là il faudrait peut-être commencer à déminer un peu, mon gars, parce que le temps tourne. Donc il y a une voix personnalité ou une voix basique. Personnellement, j'avoue que je vois guère la différence, mais voilà, sur le principe, on peut choisir la voix qu'on veut. Et après, ça va juste nous permettre surtout de garder une trace des scores, puisque si on arrive à finir la partie avant que les 10 minutes soient écoulées, on pourra après donc compter les points et donc garder une trace de nos parties, donc les plus nos meilleurs scores, etc. Donc en sachant que si le compte à rebours arrive à 10 minutes, enfin les 10 minutes s'arrêtent, on a perdu la partie. Et pour la gagner, en fait, il faut arriver avant les 10 minutes à avoir vidé toutes les cartes ici. Donc ce qui veut dire que comme on reprend une carte à chaque fois, il nous restera 4 bombes à désamorcer devant nous, c'est pas grave, ces bombes-là en gros c'était des bombes factices et on a réussi à éviter. Sauf si vous voulez jouer vraiment en mode maxi méga dur, auquel cas il faut vraiment que vous arriviez à désamorcer toutes les bombes présentes. Donc là, dans l'idée, c'est que puisque je suis en débutant, je vais devoir, enfin en entraînement, je vais devoir arriver à désamorcer 16 bombes dans les 10 minutes pour parvenir à remporter la partie. Donc ce qu'on va faire, hop. Alors au niveau de la pioche de dés, à chaque fois, je lance 3 dés comme je suis tout seul. Donc je dois prendre 3 dés dans le sac, sachant que si j'en prends plus, que je me gourre, là par exemple j'ai 5 dés, je dois tous les remettre dans le dé, dans le sac avant d'en rechoper. Donc voilà, hop, 3 dés, on lance et après on les dispatche. Sachant que s'il y a des dés que je ne peux pas dispatcher, parce que par exemple ça colle pas au niveau des couleurs ou des valeurs que je dois mettre sur mes bombes à désamorcer, je vais devoir les relancer. Et le nouveau résultat veut dire que là, ben, soit je vais devoir défausser, donc remettre dans le sac un dé de valeur 5 présent sur une de mes bombes ou un dé noir, puisque là c'est un 5 noir, donc c'est l'un ou l'autre. Et si j'ai plusieurs dés, ben là ça veut dire qu'il faut que j'enlève des dés de valeur 1 présent sur mes bombes, un dé de valeur 1 ou un dé noir, et là pareil, un dé de valeur 5 ou un dé noir. Voilà, donc pour chaque fois ça multiplie, donc si bien qu'il faut de temps en temps recommencer. Alors en sachant que si ce sont des dés empilés, donc comme là. C'est vraiment que celui du haut qu'on enlève, on n'enlève pas celui du bas de la pile. Voilà. Donc là maintenant, normalement, niveau règles, on est à peu près bon, on a tout fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le petit compte à rebours. Hop, on va mettre un peu de son pour quand même entendre. J'espère juste qu'il n'y en aura pas de trop pour que ça soit dérangeant. Et voilà. Hop, donc là, lancer de dés. J'ai un 6 noir, un 5, un 1. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai le dé vert que je peux venir placer là, ce qui veut dire que là, il me faudra un 6 rouge ou bleu, ce qui n'est pas encore le cas puisque le résultat doit faire 7. Ici, je peux placer un dé rouge ou jaune en bas, donc hop. Là, après, il faut que le dé soit plus grand, donc ça peut marcher là. Donc voilà, là, c'est bon, pour l'instant, ça s'est posé. Hop, je prends 3 nouveaux dés. Je lance. Alors, je peux remettre un 6 là, je peux mettre un 2 là, j'ai ce qu'il faut. Le 2 est bien plus petit que les 6, on s'en foutait de la couleur, donc cette bombe-là est désamorcée. Les dés retournent dans le sac, je prends une nouvelle bombe, donc par exemple celle-là. Hop, on met une nouvelle à la place. Il faut que je défausse un dé avec un 5. J'ai un dé 5, donc celui-là, je dois l'enlever. Hop, c'est un sabotage. Voilà, donc là j'ai encore le dé 2 vert à placer, donc le 2 vert, je peux par exemple le placer ici. Maintenant il va falloir que je mette soit un dé vert pour la couleur, soit un dé de valeur 2, d'une autre couleur, peu importe. Alors j'ai ni l'un ni l'autre, donc ça c'est pas cool. Là un 3 ça marche, puisque là il faudra mettre un 4 et que ça doit être plus petit. Là je peux mettre un dé rouge, 6 et un 7, parfait, celle-là est désamorcée. Tac, hop, on continue. Je vais mettre un peu plus de son, j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop. Donc j'ai toujours ce dé là à placer, cela retourne dans le sac, j'en mets un nouveau. Ah, faut que je vire un dé 1, ça va, j'en ai pas. Toc, donc le 6 jaune, je peux venir le mettre là, puisqu'en bas il faut un jaune ou un rouge sur cette pyramide là. Alors, ensuite il me faut un vert ou un bleu en deuxième, puis un noir ou un rouge, donc ça je peux le mettre là. Ici peu importe, je mets les dés que je veux, donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. Hop! Faut juste que j'arrive à en empiler 5 au total, donc ça c'est plutôt cool, c'est une plutôt simple. Donc là il me faut un dé vert ou un dé de valeur 2, c'est pas possible. Là je peux mettre un noir ou un rouge, donc j'ai déjà la pyramide du bas qui est faite, enfin l'empilement du bas qui est fait. Là il me faut un 1 ou un 4, j'en ai pas, donc non, pas de 5, pas, donc hop, on va les empiler là-dessus. J'en suis à 4 sur 5. Hop, alors le 1 il peut marcher là, le 4 il marche là, cette bombe là est désamorcée. Toc. Hop, on en prend une nouvelle. Ouais, on va faire celle-là. Elle est balèze, mais bon. Faut que je vire un 3. J'ai pas de 3 visible sur le dessus, donc c'est bon.
Hop, alors, j'aimerais le 1 à placer, donc c'est un vert, donc hop, cette bombe-là est désamorcée, je vais en prendre une nouvelle, une pas trop compliquée. Alors là, il y a les symboles différents, donc faudra que ce soit différent, faut que j'enlève un dé noir, mince. Donc hop, remis dans le sac, ça c'est du sabotage. Et du coup, ah zut, ceux-là j'aurais dû les placer, pardon, j'ai fait une bêtise. Alors, 6 noirs ou rouges, ça peut aller là. Là, il me faut un 4, ça marche pas. Là, je peux remettre un dé, peu importe. Alors, on va mettre le 6 là, puisque là en bas, il faut un 6 en bas. Il faut un 3 aussi, donc on peut mettre là, les deux, ça marche. Hop. Alors, couleurs différentes, je peux faire ça, ça et ça. Hop, et là, ben, je peux faire ça aussi. À chaque fois, c'est différent. Ah non, si, bah si, c'est différent à chaque fois de la couleur voisine. Donc, c'est bon, cette bombe-là est désamorcée. On va s'en reprendre une pas trop compliquée. Hop. Alors, il me faut un des rouges là au milieu, c'est bon. Là, il faudra rouge et jaune, et jaune en-dessus. Là, il me faut un 5, je peux mettre n'importe lequel sur celle-là. Tac, celle-ci aussi, c'est désamorcé. Hop. Il faut que j'enlève un des jaunes, c'est bon, il n'y en a pas de visible sur le dessus. Donc là, hop, trois nouveaux dés. Alors, bleu ou vert, rouge ou jaune, et là, un, deux, vert, je peux rien en faire. Donc il faut que je le relance. Il faut que je vire soit un dé vert, soit un dé de valeur 1. On va enlever ce dé de valeur 1. Faut que je me grouille, faut que je me grouille. Alors, donc là, on a des jaunes ou rouges, des bleus. Donc celle-là, hop, c'est désamorcé. Toc. Oh, celle-là est pas faite. Donc voilà. Et donc mon 4 noir, où est-ce que je peux le placer? Ici, puisqu'il faut un 1 ou un 4 en bas. 2, 5, 3, 6. 2 ou 5. Et 3 ou 6. Donc voilà, la double pyramide est faite. Toc. Hop, donc ça c'est plutôt cool parce que celle-là était de grosse valeur. Zut, j'avais oublié de remettre une carte au coup d'avant. Ah, il faut que je vire un des bleus. Bah, j'en ai pas, donc c'est bon, ça se fait pas. Et normalement, je crois que j'ai fait tous mes sabotages. Donc là, au niveau du 3 bleu, ben, je peux le mettre là. Il faut que ce soit que des dés bleus que je place sur cette carte. Ça tombe bien. En voilà un autre. Là-bas, il faut que je mette un 6 ou un 5. Là, un vert. Donc, si là, je peux placer le dé jaune. Et il y a juste le dé noir que je ne peux pas placer. Il faut que j'enlève un D6, le seul D6 qui est possible, ou un dé noir, c'est celui-là. Donc hop, je remets. Oh, je suis déjà à la moitié du temps. Ça file, ça file. Là, il me faut un bleu, mais j'ai pas. Donc là, je peux faire vert, je peux faire noir. Après, il me faudra un rouge ou un jaune. Et là, pour celui-là, le 2, je ne peux rien en faire, puisqu'il me faudrait le reste de la pyramide. Donc il faut que je vire un 6 ou un jaune. Il y a juste le jaune que je peux enlever. Voilà. Alors, 5, 4. Alors, je peux mettre le 5, faire un des 5. Là, il me faut un rouge. Bleu. Bon, bon, allez, hop, on va finir la bombe. Toc. Un 4 noir. On va prendre celui-là. Du coup, le 4 noir, je peux le mettre là, puisque c'est noir ou valeur 1, noir. Enfin, bref. Ça marche. Alors, du 4, jaune. 6, peu importe la valeur, et ben il n'y a rien que je peux jouer puisqu'il me faudrait du dé noir, du bleu. Donc je dois relancer les 3 dés les uns après les autres. Donc là je dois virer un 4, il y a celui-là ou un dé jaune. Hop, celui-là je relance, je dois enlever un 6 ou un dé rouge. Donc ça s'en va. Et celui-là, je dois enlever un dé vert ou un 2. Donc voilà, ça repart à zéro, trop cool. Alors, un 6 c'est bon. Hop, du noir ou du 1, ça marche. Et le 6 bleu, je peux le mettre là. Alors, un dé rouge, ça peut venir là. Il me faut après, eh ben, après, je suis couillé. Puisque j'ai ni bleu, ni noir, 2, 3, ni 5. Donc, je dois les lancer. Il faut que je vire un 2 ou un vert. Et là, il faut que je vire un 5 ou un jaune. Donc, ça n'en enlève pas d'autres. Aïe, 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 je perds tellement de temps. 2 ou 3, alors un dé rouge. J'ai rien encore qui match, j'ai pas les bonnes couleurs, il y a juste celui-là éventuellement que je peux mettre. Donc là, il faut que j'enlève un dé 6 ou un dé rouge, et là, il faut que j'enlève un 1. Hop. Bon ben, je suis désolé, mais je pense pas qu'on verra une victoire. Je peux mettre un 3 et un rouge, et le 2 noir, il peut venir là. C'était soit un noir, soit un 2. Donc là, ça fait les deux à la fois. Là, il me faut un 5. Là,
Il me faut un dé noir ou peu importe la valeur et un dé bleu. Donc celle-là est désamorcée, c'est chouette. On va essayer de s'en prendre une pas trop dure. Faut qu'on en remette une. Ah. Donc sur le principe, il me reste 3, 6 bombes à désamorcer pour y arriver. Un peu importe la couleur, donc ça c'est bon, c'est désamorcé. Hop! Plus que 5 bombes, alors on va en prendre une, essayer de pas trop dur. Donc cela je les remets dans le sac. Derrière, j'ai quoi? Là il faut que ça soit un 3 et là il faut que ce soit un vert. Là il faut que les valeurs soient égales. Donc le 4 doit venir là. On met un 2, donc celle-là c'est désamorcé. Oups! En plus, si je perds du temps en faisant tomber les dés, ça va pas aider. Hop. 2 minutes pour désamorcer 5 bombes en gros pour y arriver. Donc là, il me faut un 3 et un dé vert. Pouf, ça se désamorce. Toc. Hop. Je dois placer le 6 noir. Le 6 noir, bah, je peux le placer là. Alors, un vert, ça marche. Puisque c'était 6, peu importe la couleur. Par contre, le 6 noir, là, je ne peux rien en faire. Donc, il faut que je vire un dé noir ou un dé. Hop. Alors, un rouge, 2. Alors, un 3, peu importe la valeur. Là, il faut que la valeur soit identique. Donc, il me faut du 2. Le 4 bleu vient là. Par contre, le 1 noir, je ne peux toujours pas m'en servir. Il faut que j'enlève un dé 6 ou un dé noir. Donc, ça sera un dé 6. Donc, là, il me faut un 6. Je peux mettre un rouge par-dessus. Et le 2, peu importe sa couleur, tac. 1 minute pour en désamorcer 3. Allez, allez, allez. Il faut que là, les couleurs soient identiques. Et là, les valeurs soient identiques. Donc, il me faudrait un 4 et là, il me faudrait des 2. Là, je peux mettre un dé rouge, je peux mettre un dé vert. Donc, ça, c'est fait. Toc, valeur identique, toc. C'est bon. Donc là, j'en rajoute une. Peut-être plus celui-là que l'autre, il faut que tout soit égal. 2, 5, 1 valeur 2, tac, boum. Wouhou! Fini! J'ai réussi à me débarrasser de toutes les bombes de la ligne, donc voilà, il restait 24 secondes, on est presque dans une série américaine ou dans n'importe quel film, puisque j'ai désamorcé toutes les bombes de la pile avant. La fin du compte à rebours. Donc voilà, c'est la première fois que j'y arrive. Coup de bol monstrueux. Bon, par contre, clairement, si je jouais en mode faut arriver à faire toutes les bombes, il me restait ces 4-là à faire en 24 secondes. Clairement, c'était très chaud. Là, il m'aurait fallu un 4, peu importe la valeur. Ici, il me fallait 2 dés jaunes empilés. Là, un jaune, un rouge, un bleu, un vert. Et là, 2 dés de valeur et de couleur identiques. Donc vraiment, il aurait fallu que je masterise le truc pour que ça marche. Donc, c'est ce que je vous disais. Hop, au niveau de l'appli. Donc là, on va pouvoir renseigner ce qui s'est passé. Donc, hop, on met victoire. On peut sauver le score. Hop, donc nombre de joueurs. Bah, je suis tout seul, hein. Difficulté, bah, c'est ce que j'ai dit, c'est entraînement. Donc voilà, ça c'est déjà le score basique qui dépend du niveau de difficulté. Après, le total de points de bombe. Donc pour ça, on va ajouter tous les points en haut à droite des cartes qu'on a désamorcées. Donc là, j'ai un point, je suis à 4 et 4, 8 et 2, 10, 14, 16, 19, 19 et 4, 23, 23 et 6, 29 et 1, 30, 31, 34, 36, 37, 38 points. Donc sachant que si on jouait à plusieurs, on ajoute les points des bombes désamorcées par tous les joueurs. Hop. Donc là, un total de 38, ce qui fait que pour l'instant je suis à 50. Les 38 plus les 12 du fait que je joue tout seul en mode d'entraînement. Et chaque carte sabotage qui a été retournée pendant la partie vaut un point. Donc j'ai eu les 6 cartes sabotage, elles sont toutes sorties. Donc voilà, hop, ça me fait un score total de 56. Hop, on va le sauver, voilà. Je sais maintenant donc que le 5 avril 2018, puisque je rappelle l'appli est en anglais, d'où le 0405, c'est pas le 4 mai mais le 5 avril, j'ai fait un score en solo en mode entraînement de 56 points. Voilà, donc ça c'est sauvé, si bien que dans l'appli quand je regarde les high scores, voilà, je verrai tous les scores que j'ai réussi à faire, que ce soit tout seul ou à plusieurs, le nombre de joueurs. Et donc voilà au niveau de l'appli. Donc voilà, c'était
Mission pas possible, donc en solo, voilà, partie de 10 minutes maximum. Là, j'ai quasiment utilisé les 10 minutes, plus le temps au début de vous expliquer comment on joue. Donc ça, c'était seulement le mode entraînement. Il y a 4 autres modes plus durs derrière, standard, expert, élite et dément. Et en sachant qu'on peut également corser ou baisser la difficulté de la partie en répartissant les cartes différemment en fonction donc du nombre de points qu'ils rapportent et autres. Au niveau des mises en place, mais bon, ça, je vous expliquerai tout ça plus en détail dans une vidéo, donc pour vous présenter les règles complètes, etc. Donc là, c'était vraiment juste pour vous montrer un avant-goût de Mission Pas Possible, qui est un jeu que je trouve vraiment excellent, que ce soit en solo ou à plusieurs, il est vraiment super cool, plein de pression et tout, ça booste bien, donc c'est vraiment très 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 cool. Et comme moi, j'adore lancer des dés, franchement, c'est du régal en plus, donc voilà. Mission Pas Possible, moi. J'adore et c'est pour ça que du coup j'ai voulu pas perdre de temps et vous montrer comment on y joue voilà en faisant une partie solo direct. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pourquoi pas si ça a été le cas, on peut envisager que je tente de corser le défi. Donc au lieu d'un simple entraînement avec 16 bombes à désamorcer, je passe en standard à 19 ou autre. Et voir peut-être un jour qu'on verra une partie en mode dément avec 25 bombes à désamorcer. Donc là, ça sera vraiment chaud, chaud, chaud. Mais donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'envisagerai donc de faire d'autres parties de Fuse ou Mission Pas Possible. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut!